Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce stream tout pourri. Bienvenue chez le renard. J'espère que vous allez bien. J'espère que non seulement vous allez bien, mais que vos proches aussi. Et aujourd'hui, je vais continuer mon Fallout. Je me suis demandé ce que j'allais faire comme stream aujourd'hui, parce que oui, bon, certes, je vais tuer des gens. Mais ce sont des gens virtuels. Des mutants, des super mutants, des ghouls, bref. Des petits enculés. Mais voilà. On va se détendre, on va oublier tout ça et on va surtout ne pas changer les bonnes vieilles habitudes. Et on va reprendre notre bon vieux Darty. Et Darty va encore une fois de plus aller explorer l'entièreté. Et la dangerosité des terres désolées. Merci mon cher Oli pour le host, merci beaucoup. Oh, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Zati, c'est pas grave du tout. Niveau 18, mine de rien, on est presque au niveau 19, et notamment avec la perque qui permet à Darty de gagner plus de d'XP par rapport à son QI d'huître. Ça me paraît être une bonne chose. Ben ma foi. Peut-être juste se reposer un chouïa. Et ça devrait être bon. Fallout finalement, ouais. Ah ouais, non mais voilà, comme je disais, bon, ça, on va tuer des gens, certes, ça va être un peu violent, mais on s'en fout. C'est virtuel et puis on emmerde le monde. Et on va surtout, voilà, on va passer à autre chose, ça va être bien, ça va être cool. Ça va être cool. Alors ici, il va falloir, bah tiens d'ailleurs, ah oui non, ici il faut récupérer un artefact. Eh ben écoutez, moi j'ai envie de dire allons-y, on va partir de là et on va se diriger vers le sud. On dirait le sud, c'était pourtant bien. Voilà. Puis on va voir ce que ça donne. L'ouest, le nord, le sud, c'est par là. Voilà, merci. Ah, alors que là, nous avons une petite brume avec... Eh bien, ma foi, un peu de pluie. Un temps pluvieux sur les terres désolées aujourd'hui. Avec une chance d'éclaircie en début d'après-midi. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Une fleur de carotte sauvage. Oh, c'est joli! Oh, c'est joli, ça a l'air vachement... Ça a l'air assez... Ouais, j'avais vu. J'avais vu, mon ami noir, j'avais vu. Et là, on a un petit bateau, d'une part, c'est... Non, c'est pas un bateau, c'est une bagnole. Oh mon dieu! Pauvre Titi, bouge pas le Titi. Mais Darty n'aime pas la nature, hein, finalement. Bon, voilà. Darty, la nature, il l'emmerde. Bon, on a quand même tué cette pauvre bébête, hein. Je trouve que... Voilà, c'est pas super cool. Qu'est-ce que c'est? Nid d'écorcheur. Oh merde. Oreiller confortable, ok. Os. Un œuf d'écorcheur fêlé.
Oh merde! Casque militaire sale, harnais des attilleurs, lunettes de soleil. Ouais, un nid d'artilleur, un nid de décorcheur, je sais pas pourquoi, ça m'inspire pas spécialement confiance en fait. Hein? Je sais pas vous, mais moi moyen. Donc là-haut, on a une petite construction. De toute façon, je pense qu'il va falloir que j'escalade cette montagne. Ça me paraît assez impératif. Darty alpiniste. Darty sait tout faire, c'est absolument extraordinaire. Regardez-moi ça, l'aisance avec laquelle il se déplace, avec laquelle il se meut. Ça pour trouver, c'est bon, on peut rentrer par là. Il y a des ennemis par là. Qu'est-ce que c'est, un cabot féroce? Oh merde. De toute façon, a priori, c'est par là qu'il faut aller. Le drapeau américain. Ah, l'Amérique. America. Et un coffre-fort au pif. Avec un revolver de fortune. Très bien. Avancer, bah oui. Ah, on y est presque. Ah, bonjour mon cher Minibapi, comment vas-tu? Bienvenue. Bienvenue à toi. Oui, je prends. Oui, bon, en fait, je prends tout. Ça va plus vite, je prends tout. Donc, ça, c'était la baraque qu'on voyait d'en bas. The fuck? Une cuisinière, des cartouches, du bourbon, bouteille de bourbon. Ok, ouais, une commode, un lit. Du whisky. D'accord. C'est une sorte de lance roquette expérimentale. À part que si on tire, il y a tout qui pète, hein. Et Darty, tel un salaud, pique tout. Fatigué? Ça va. Moi, ça va. Puis voilà, un petit peu de Fallout. C'est toujours bien, un peu de Fallout. C'est toujours bien. Terminal de la tour relais. Je suppose qu'on ne peut pas vraiment monter. Je vais faire une sauvegarde rapide, je vais voir ce que c'est. Déployer les paraboles pour amplifier les signaux dans la zone voisine. Déployer les paraboles. Déploiement des paraboles et acquisition des signaux. Veuillez vous écarter. D'accord. Et bonsoir Grimace, bienvenue. Bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. Signal de système d'audio, d'alerte radio, signal de détresse trouvé. Signal radio des pillards. Ah, ça capte super. Bonsoir mon cher Mido, bienvenue. Comment allez-vous tous les nouveaux arrivants?
Merde, merde, merde. Cabo errant. Ok. Sachant qu'il y en a un troisième. Hein. Sachant qu'il y en a un troisième quelque part, il est là. Ouais, je comprends, Grima, je comprends. Bah, tout le monde l'est un petit peu, hein. C'est un peu beaucoup, ça dépend après. C'est normal, mais. Hey, tu es mon cher Mido, ah oui. Mais, ouais, je. De toute façon. Il n'y a pas grand chose à en dire, malheureusement. Enfin, si. À la fois grand. Beaucoup et peu à dire, mais. Si ce n'est que je pense que moi, je en stream, j'en parlerai pas. Sur encore moins, là, bah, avec du Fallout et tout. L'idée c'est de se changer les idées, voilà. De ne pas en parler. Pas de faire genre, ça n'existe pas, hein, pas du tout ça. Hein, mais. Vous avez vu ça? Ouais, c'est déconne zéro. Oui, voilà, j'espère tout de même que tout le monde va bien. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Voilà. Et dans un autre registre, demain tu es en week-end. Ah, voilà! Une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir Fallout toute la journée. Ah, Grognac et Cannibal. Ah oui, c'est vrai que Cannibal, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Je perds les signaux et je les gagne. Ah, c'est charmant tout ça. Quelqu'un m'entend. J'ai besoin d'aide. Je suis piégé dans un bunker. Vous savez déjà? Fiddler's Green, voilà. Il y a des bestioles qui rôdent. Rien de bien méchant, mais je me suis blessé à la jambe et je m'en sortirai pas tout seul. Fiddler's, je sais pas quoi. Ok, bon, ça on a entendu. Système radio des civils, on le perd, on le récupère. Oh tiens. Ça oui, ah bah oui. Le corps à corps, ça a toujours été assez assez demandeur en comment dirais-je en steampack. Ça c'est clair. Des chips, on va manger des chips, t'entends? Oh merde! Fais pas le con, hein. Fais pas le con, Darty. Hein. Chapeau de milice, tenue de récupérateur. Ah ouais! Et ça, c'est un mousquet laser compact. A priori, j'ai mieux. J'ai mieux à la maison, a priori. J'ai pas trouvé l'abri 81, non. Moi j'ai trouvé l'abri 75. Le 81, je ne l'ai pas encore trouvé. Je ne sais absolument pas où il se trouve. Voilà, je suis reparti un petit peu en exploration. Je vais faire s'il y a une quête sur le passage, mais en dehors de ça. L'exploration de Darty reprend. Merde, 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 merde.
purée. J'ai réussi à le tuer direct. C'est assez. Je suis assez étonné en fait. Oui, c'est vrai que les steam packs c'est beaucoup plus rare. Alors que les munitions, effectivement, on en récupère en tuant les gens, donc. C'est une sorte de renouvellement permanent. Oh oui! Ouais, je prends, je prends. Ah, ça y est, on retrouve le signal de l'alerte du système civil. Ah oui, d'accord, donc en fait là on est en train de capter un message d'il y a 200 ans quoi. Diamond City, ok. Ah, j'y suis pas encore allé à Diamond City en fait. Ceci est un message du système d'alerte d'urgence du Commonwealth du Massachusetts. Nous sommes le samedi 23 octobre. Ok, mina capsule. J'ai dû trouver quand même une ville plus ou moins importante. Ah oui, je me rapproche quand même largement de mon objectif. Ok, la mine est là. Et bonjour mon cher Kabo. Oui, j'ai vu que tu étais chez Clapsock, j'y étais aussi un petit peu. De loin. Bah, je lui ai dit bonjour au début et tout ça. Donc ouais, j'avais vu que tu étais là-bas, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comment que ça va mon cher Crackbull? Bonne neuf. Mal de fortifications dans la zone. Là, je devrais pouvoir arriver à monter. Non? Tu veux pas le jeu? Voilà. Hop. Pif pouf. Ah, on peut pas ouvrir ça. Coucou crack, c'était la. Ah bah oui. Ah ouais, je suppose, ouais. C'était la nive d'un ami, d'accord. Ouais, malheureusement. C'était un peu gâché pour tout le monde. Ah mais merde, d'accord, je peux entrer. Ok, j'ai trouvé l'entrée. Mais ouais. Mais oui, c'est. C'est extrêmement triste. Mais bon. Changeons-nous les idées, quoi. Voilà. C'est un peu l'idée de ce stream. Changeons-nous les idées. Je savais pas trop ce que j'allais faire comme contenu aujourd'hui, mais voilà. Un petit peu de Fallout. Parce que j'ai envie. Oh merde! Oh merde! Putain de bordel de merde! Des enfoirés de synthétique. Des enfoirés de synthétique. Je
vais vous faire la peau, bande de bâtards. Paf! Tu me conseilles de pas visiter ce lieu? Oui, mais moi, tu sais que... Les armes balistiques infligent 5% de dégâts critiques supplémentaires. Laser and hunting. Je vais me cacher un peu... Vraiment? Ouais, non, c'est vrai que j'avoue, le système de visée avec certains... Alors, c'est peut-être avec certaines armes. Après, j'ai pas plus exploré que ça, mais... Je crois qu'il y en a encore. C'est vraiment, je vais me cacher un truc ou... Parce que moi, du coup, là, j'ai... Enfin... C'est-à-dire, de moi-même, du coup, j'aurais exploré, quoi. Sans me soucier vraiment... Il y en a deux en bas, il y en a trois en bas. Pour l'instant, tous ceux qui sont listés, ils sont pas au même étage que moi. Après, oui, il peut toujours y en avoir des planqués. Hein. Ah, c'est cul parce que... C'est cul parce que du coup, j'ai envie de continuer quand même. Merde. C'est un passage obligé après Diamond City, d'accord. C'est vraiment la taille de l'objet qui compte. Ouais, après c'est un con... Ouais, non mais je comprends. Mais c'est vrai que... Disons que c'est vrai que c'est ça aussi qui a toujours été un petit peu rigolo dans les Fallout, c'est que... Ah oui, les squelettes, oui, c'est vrai, ouais. Bah ouais, les squelettes sont vraiment bien placés, je trouve aussi. C'est très rigolo de voir les différents. Tout ce qu'ils ont trouvé comme petite idée pour les placer, etc. J'avoue, c'est vraiment cool. Ah oui, les squelettes en vomito, c'est vrai. C'est complètement vrai. Je finirai bien par vous détecter. Étrange, mes capteurs doivent avoir un souci. Ah oui, Clo-Clo. Il y avait Alan... Edgar Allan Poe. Ah ouais. La sensibilité de mes capteurs doit clairement être réglée. Ok, on a un protectron ici. Bon. Allez, je vais continuer mon exploration. Si vraiment, c'est pas une bonne idée de le faire maintenant... Capteur détecte une présence ennemie.
Mais non. Détecté. Curieux. T'inquiète pas. Ok, t'as une crémaillère puis 12 heures de taf, eh ben dis donc. Bon courage mon cher Grimace, en tout cas merci d'être passé. Repose-toi bien alors, des bisous. Hein. Mais surtout repose-toi bien. Repose-toi bien, donc voilà, au moins le fort Hagen il a été... Le fort Nina Hagen il a été découvert, là. On pourra se TP instantanément ici. Là, du coup, j'imagine qu'on a une autre entrée pas loin. Non. Même pas. Ok. Ah oui, d'accord. Ça a bugué. Ah oui, non, j'ai récupéré masse cartouches pour le fusil à pompe. C'est cool. Ah, ben voilà, si on veut faire un billard. Je me demande si on peut faire un billard d'ailleurs. Oh, c'est mignon, Jens. Oh oui, oh bah oui. Allez, l'ours en peluche, pourquoi pas. Je peux pas dormir là? The fuck? The fuck? Ouais, bonne chance Grimace, hein. Bon courage, tout ça, tout ça. Et reviens-nous en forme. Ok. En fait, c'est pour le jeu, c'est quelle heure? Ah oui, c'est le soir, merde. Ah oui, du coup, j'aurais bien trouvé un endroit pour dormir pour revenir deux jours. Juste bien aimé. Je vais tout prendre. Ouais, je suis encore loin de ma charge maximale. Un établi d'armure. Jerrycan d'essence. Vas-y. Bidonville usagé, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais? Clé à molette. Plaque chauffante. Scotch ciseaux, ouais. Mais encore une fois, rien pour pioncer. Ah oh putain, un établi d'armure. Ah oh putain, je pourrais stocker une armure ici. Un établi d'armes, je pense que je peux rien fabriquer de beaucoup plus. Ouais, non, voilà, il y a mes armes de base. Normal. Classique. Station de ravitaillement du fort, de Fort Hagen. Donc là, c'est un corps. Ah oui, on le voyait de loin, ça, c'est vrai. On le voyait de loin. J'étais arrivé par le nord, donc on le voyait un petit peu de loin. Ok, donc du coup, ça me fait encore un autre endroit où je peux me transporter rapidement, mais vraiment j'aimerais bien un petit endroit pour me reposer, hein, ou de l'eau purifiée. Je ne l'avais pas trouvé ça. Pire, je trouve une chaise, un fauteuil, et puis voilà. Il y en avait une pas loin, il me semble. Il n'y en avait pas loin. Oh, ce n'est pas encore la pleine lune. D'ailleurs, je crois qu'il y a les cycles de la lune. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le jeu gère les cycles de la lune. On peut avoir une pleine lune, une... pas de lune du tout. On peut avoir tout ça. Bien que j'ai pas trop regardé, mais il me semble avoir vu déjà la pleine lune. Attendez, il y a des grandes paraboles par là. Mais j'y suis pas encore allé, grandes paraboles. Ah, est-ce que je peux m'asseoir? Parfait. On peut s'asseoir, on va attendre deux petits jours.
Ouais, on peut attendre encore une bonne heure. Oh merde, un orage. Voilà, une petite exploration de jour, je trouve ça toujours plus agréable. Ah, mais il est peut-être là le signal de détresse, il vient peut-être d'ici. Non, signal perdu, signal trouvé. Ok. Mais tu me parles de trop loin, mon ami noir. Je t'assure, si tu veux que je t'entende, faut que tu te rapproches. C'est quand même mieux. C'est ça, mini papy. Ah, mais tout à fait. Non, mais Fallout, faut pas. C'est Fallout, quoi. Hein. C'est pas non plus. Mais oui, tout à fait. Hein. C'est voilà, y a pas de souci. Hein. Le mec. Pour attendre qu'un orage radioactif passe, je crois que j'ai attendu. J'ai fait attendre Darty un jour et demi, je crois. Il a passé un jour et demi assis, sans bouger, sans manger, sans rien, pas pisser, pas faire popo, rien que dalle. Bon, il l'a bien vécu, hein. Honnêtement, il l'a bien vécu. Par contre, je peux rien faire du tout avec ces grandes antennes. Ça pas grand chose. Bon, pas grave. C'est pas grave du tout. Bon, retournons à nos moutons. Oula, il y a des trucs au fond. Il y a des trucs. Il y a des chiens. Ok. Attendez, elle était où la mini capsule? Elle est là. Putain, tu m'as fait peur, toi. Tu m'as fait peur, du con. Putain, la panique, quoi. La panique. Ah, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Avec l'Apso, j'ai découvert que je n'étais pas le seul, quand il y a une mine, à rester comme un con devant. Attendez, elle a disparu, la mine. Ah, bordel, elles ont disparu, les mines. Merci, mini papy, merci. Je ne suis pas le seul donc à rester complètement con et quoi devant devant une mine qui s'active. Ouais, cartouche calibre 12, pourquoi pas, oui. Ouais, le pinceau, je sais pas trop ce que ça donne, je m'en fous un peu en fait. Rien d'autre ici. C'est pas ça l'objectif. Ouais, non, là en fait, je suis encore en train de tourner autour du fort machin, du fort truc. Il doit y avoir une entrée par là. Ah, là, une mine à fragmentation. Une mouche bouffie. Oh là là, il y en a plein. Attendez. Bon, j'ai un petit peu bouffé des munitions pour rien, mais
Oh merde. Attendez, il y a quelque chose dans les parages. Ok, toujours la mine. Elle était quand même bien planquée. Hein. Elle était quand même bien planquée. Ok, là il y a une porte, donc on doit pouvoir rentrer dans ce... Centre... je sais pas quoi. Ben, ça doit être mon objectif. Je crois pas que ça va lui manquer. Je pense que c'est mon objectif. Voilà, ça c'est fait. Ouais, c'est ça. C'est là où il faut que je rentre. C'est là où il faut que j'aille chercher un... c'est là où il faut que j'aille chercher... quelque chose pour le scribe Hélène. Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène. Oh, un petit steampack, d'accord. Ah oui, non, c'est carrément d'accord. C'est quelque... ça doit être en bas, en fait. Beck Bunzen, ah bon. Mais là, on propose juste... oh là, oh là là, oh là là. J'aime pas trop beaucoup ça. Et un niveau! Petit niveau de gagné. Un petit niveau de gagné. Ah, magnifique. Qu'est-ce qu'on va prendre? On pourrait prendre un corps des dégâts augmenté sur les cibles. Serrurier, on peut pas prendre. Ça, ce sera niveau 34. On en est encore bien loin. Ah oui, de toute façon, les niveaux qu'on peut prendre sont marqués d'une étoile qui clignote, si je comprends bien. Résistance aux dégâts augmentée de 20. Je pourrais accéder à l'armurerie rang 2. Le forgeron pourrait être sympa pour... je crois que c'est pour l'armure assistée qu'il y a des trucs. Avec le forgeron. Si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Temps de rechargement plus rapide. Oh là là, 3,5 fois plus de dégâts pour les attaques furtives. À distance, c'est quand même violent. D'accord. On ne déclenche plus les pièges au sol. Ça, ce serait pour Darty, ça. Ça serait complètement pour Darty. Après, c'est les mines. Courir n'affecte plus votre discrétion, d'accord. Ah ouais. Ah oui, quand même. Du coup, fusilier me tente toujours, quoique pistolero, hein. Quand on utilise le flingue de base. Bénéficier d'un bonus de dégâts de 5%. Je
Trouver plus de munitions dans les contenants. Les reins d'acier 50. Quand vous êtes en surcharge, vous pouvez utiliser des points d'action pour courir. Vous pouvez voyager rapidement tout en étant en surcharge. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Bon, je sais pas trop quoi prendre, donc pour l'instant, je vais rien prendre. Je vais rester avec mon petit niveau supérieur gagné. De what? Ils sont où? T'as un peu fusionné avec le sol, toi, quand même. Hein. Je veux pas t'inquiéter, mais je crois que t'es un petit peu... Tu ne fais un petit peu plus qu'un avec le sol. Hein. C'est... Faut faire gaffe, c'est pas... Clé de la clinique hématologique. Ah bah, c'est cool, ça. C'est très très cool. Allez, du melon, pourquoi pas. Un petit peu de melon. Merde, je perds la trace de mon ennemi. Mine cryogénique. D'accord, renfort fusil de précision. Ok. Oh merde, t'es là. Bah t'étais là. Maintenant t'es mort. Tu es décédé. Voilà, je veux pas le savoir. Ah oui, t'as vraiment fusionné avec le sol en fait. Tu as essayé de traverser le. Feutre Bosley. Ah, c'est classe, feutre Bosley. Hop. Le feutre Wesley. Ah oui, dessous il y a encore quelque chose. Ok. Regardez-moi ce chantier. Bah, qu'est-ce qu'il a? Le réveil, c'est cool, ça fait plein de trucs. Ouais, casse-toi la mouche. Casse-toi la mouche. À mon avis, ça va plus être de l'autre côté par lequel on va rentrer, on va trouver l'accès à ce qu'on cherche. Voilà. Du coup, j'ai trouvé la clé, je pense que je pouvais gagner un petit peu d'XP. C'est quoi cette odeur? Je pense que je pouvais gagner un peu d'XP. Si je la déverrouillais moi-même, mais malheureusement, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Buff out. Quelque chose à déverrouiller. Ah, un petit jeu de suggestions et de devinettes. Un petit mastermind. Allez, vaste. Un similaire. Pays. Toujours un de similaire. Part, ça peut pas être ça. Lamp. Toujours un de similaire, Mace. Joli. Ah, voilà. Au bout d'un moment, on finit par trouver. Voilà. Protocole d'analyse de sang. Bonjour, Grod TV. Bienvenue à toi. Eh oui, plein de petites emotes magnifiques. Voilà. J'espère que ça va bien. Rassurer le patient sur la confidentialité de l'opération, effectuer la prise de sang en respectant l'ordre d'analyse, renvoyer le patient chez lui, transmettre le sang au laboratoire d'analyse du premier étage si personne n'est disponible, annoter clairement les échantillons et les laisser dans l'une des armoires réfrigérées du laboratoire, mot de passe KJT540. Journaux de test. Martine Georges M. Général. Merci Zizou Lopez, merci beaucoup pour le follow et bonjour à toi. Bonjour, bonsoir, bon joueur. J'espère que ça va bien. Résultat glycémie élevée.
cholestérol en phase avec les résultats des tests précédents au risque de diabète, perte de poids, recommandation perte de poids, alimentation plus saine, exercice. Note conformément aux ordres reçus, santé de l'officier supérieur indiquée comme étant excellente. D'accord. Ça s'appelle un petit peu de la falsification. Hein. C'est, ça va, merci. Ça va. Sergent James R. Justus, carence en vitamine D, tension artérielle en phase avec un travail technique très stressant. Merci Grod, merci beaucoup pour le follow. Est-ce que ça me dirait de rejoindre une chaîne communautaire de streaming appelée la Grod TV? Merci pour la proposition, mais oui, oui, il faudrait plus de détails. C'est-à-dire que là, comme ça, c'est... Je ne sais même pas... voilà, je... J'ai jamais entendu parler de Grod TV. Voilà, je... Donc... je ne sais même pas... C'est pas même pas qui tu es, qui vous êtes. Mais oui, donc. À voir, à voir. Ethan, Thomas Ethan. Enfin bref. Hémoculture pédiatrique. Oh. Résultat négatif. Patient souffrant vraisemblablement de la grippe, repoilité et prise de fluide. Oh oui. Oh, de la prise de fluide. Nouveau test dans 2 jours, si la firme ne retombe pas, demander aux assistants de désinfecter l'ours en peluche. Oh, c'était probablement un petit... César Lopez, test standard de MST, négatif. Martine, test de paternité prénatale, analyse PCR correspondant presque en tout point au patient 2400. 98, patient assuré de la confidentialité des résultats, résultats communiqués à l'officier supérieur. Conformément aux ordres K2498. D'accord, le soldat machin. Et le 000, non-procédure résultat note Kyle, j'ai planqué la drogue au sous-sol dans la réserve, elle est dans une glacière dans le deuxième frigo. Troisième rangée, étagère du bas, le contact l'attend ce soir, ne soit pas en retard, il supprime ce message. Qui n'a pas été supprimé, donc. Ça veut dire qu'on va peut-être trouver de la drogue. Et la drogue, c'est mal. C'est une CIAO, ça? Ah ouais, d'accord, ah oui. Ah oui, c'est la version... c'est la version chirurgicale, oui. D'accord. Ah ouais, forcément. La version qui déconne zéro. Bidon d'aluminium. Ah oui, ça sent les embrouilles. T'es sérieux? Ah bah quand même! Elle a fini par mourir. Oh merde! Oh merde! Tic infecté! Ah, je veux pas le savoir. Oh là là! Oh là là! Elle a une de ses résistances! Oh là là! Ah non! Ah c'est dégueulasse! Ah c'est dégueulasse! Ah c'est dégueulasse! Défoncer la tique. En même temps, c'est bon, c'est une tique de compétition. Hein. C'est d'accord. Bah oui, je veux bien des détails, voir si c'est intéressant pour tout le monde. Laser. Ouais, j'aurais peut-être dû tenter le laser, j'avoue.
J'avoue, j'aurais peut-être dû tenter le laser en fait. J'ai un peu mal, hein. J'ai beau être matinal, j'ai un peu mal. Peut-être prendre un truc de soin là dans les. Qu'est-ce qu'on a ici? Agilité plus 1. Voilà, on va prendre ça. Pistolet à seringue fusil. Ah, mais c'est cool, ça y est. Il faudrait que je pourrais fabriquer des munitions, hein, cette arme, avec un atelier de chimie. Ce qui est plutôt cool. Pas de souci, Grod, pas de souci. Bah écoute, je verrai, puis. Et puis, en tout cas, merci pour la proposition, hein, déjà. Merci beaucoup, mais. Et puis voilà. Et puis, qui sait? On ne sait jamais. Ah, la fameuse cachette de drogue. La fameuse cachette de drogue. Oh merde. Et salut Spike, bienvenue, comment ça va? Désolé, du coup, j'ai même pas vu. Voilà, parfait. Ça y est. C'est ça, je me fais bouffer par les moustiques, c'est tout à fait ça. On dirait que ça pourrait toujours être utilisé. Grenade cryogénique, lecteur tactile, ouais, vise. Alors, revolver de fortune, donc c'est du. Ouais, c'est du 45. Ça n'a pas l'air trop mal. Viseur lumineux, qu'est-ce que c'est? Fusil de chasse, ouais. On va prendre le lecteur tactile déjà, puisque c'est notre objectif. Ah bon. Attendez, non. Merci Varmint, merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je cherche? J'ai aucune arme qui utilise du 45 en fait. Ah mais attendez, celle-ci je l'ai pas mise en favori. Ben voilà. Elle est là mon arme laser que j'utilise pas. Suis-je bête? Ah merde, j'ai déjà trop de trucs. Merde. Ah. Ah, c'est cul ça. Ah, ça c'est cul. Par contre. Mais en plus, si je pense c'est pas lui, ce serait plutôt lui. Ah oui, donc oui, d'accord, je suis juste à la limite. J'ai pas le droit de prendre quelque chose d'autre. Là, c'est interdiction de prendre quoi que ce soit. Là, c'est un truc de bien là-bas. Du Abraxo. C'est tout pourri. Ouais, donc du coup, on va voyager. Et on va revenir ici juste après, mais. Mais du coup, on va voyager. Je vais vider mon inventaire, pardon, et voilà. Et on continuera l'exploration. Je pourrais même aller valider la quête. Continuer vers le sud. Aller voir ce qu'on peut trouver par là. Ok, Grod, merci beaucoup. Merci pour la proposition.
C'est la première fois que tu me découvres ou tu avais déjà suivi peut-être sous un autre compte ou tu as déjà suivi juste sans jamais rien dire sur le chat. A plus, Zizou. Aïe, il y a eu Nightbot, il a pas aimé les majuscules, mais j'ai vu le message. Merci, merci à toi, des bisous, à plus. On va virer toute la bouffe. Les chips, t'entends, les chips. C'est jamais, hein. On pourra toujours faire quelque chose de sympa à bouffer avec. Oui, d'ailleurs, il faudrait que j'aille... que j'aille créer des choses. Mais du coup, avec la... Ah, faut voir ce qu'on peut créer comme munitions. D'accord. Oui, non, c'est pas grave pour la majuscule, c'est Nightbot, il est... D'accord, tu es le modérateur de sa chaîne, ok. D'accord. Oui, non, mais j'imagine, bien sûr, j'imagine. Bah, il faudra que je lise déjà tout ce qui m'a indiqué. Et puis j'aviserai, je peux pas, voilà, je ne peux point donner de réponse là comme ça de suite. Ouais, j'imagine le TeamSpeak, tout ça. Bien sûr. Donc oui, voilà, faudra que je regarde. Oh mon Dieu! D'accord, précision de tir au jugé améliorée, portée et précision de visée médiocre. Ben moi, c'est plutôt ça que je veux. Un bon petit canon long. La crosse. C'est ouf, je peux tout faire. Ah, et là, par contre, je ne peux pas tout faire. Salut Icefire, bienvenue. Merci, oui, j'ai vu. Merci beaucoup pour le follow, Zizio, encore une fois. La chaîne, d'accord, les 200 jours, ok. Allons-y. On va se faire une arme qui pète. C'est voilà, le canon long fait péter. La crosse. Meilleure précision avec les lunettes. Donc ça. Voilà. Et on a un... Alors, il faut maintenant lui trouver un nom. Pistolet à seringue. Enfin, fusil de précision. Fusil à seringue. Comment va-t-on l'appeler ? Comment va-t-on l'appeler ? Dr. House Gun. D'accord, Zizou, ok. Je t'ai encore entendu crier, Dylan. Ah, désolé. Tu veux en parler ? Non, ça va. Je préfère éviter d'y penser. C'est normal, tu sais. Moi aussi, je pense. Pico Dodo. Bonsoir, Mugubot, bienvenue. Le Pico Dodo. Ah, le...
Et oui, salut, salut à toi. Le Picous 2000. Comment on pourrait... La Sarbacane. Ah oui. La Sarbacane. La Sarbacane. La Cabrel. La Francis Cabrel. La Sarbacane de Francis. Bah là, c'est... moi là de là comme ça, bon avec le live et tout, c'est un peu dur de penser à des questions. J'en aurais certainement, ouais, très probablement, mais peut-être pas dessus. Donc il ouais, y a pas de souci, hein. Il y a pas de souci du tout. Merci en tout cas encore une fois pour la précision, et pour la proposition. Il y a pas de bug, comme on dit. Il y a pas de bug. Oui, voilà, c'est ça. Comme le dit Oli. Tout à fait. Voilà, on stocke ça. Alors, le buff out, on vire tout. Qu'est-ce qu'on aime pas? Enfin, qu'est-ce que je n'utilise jamais, surtout? C'est ça qui est... surtout ça, en fait. L'eau purifiée, on va en garder... Regardez ce que c'est. Ce sera largement suffisant. Surtout que j'ai je sais pas combien de steam pack, donc voilà. Hein. Voilà l'utilité du jet. Du jet, je crois que j'en ai gardé que 3. Pas besoin de plus. Ah non, mais t'inquiète pas. Hein. Y a pas de souci, Zizou. Hein. Y a pas de souci du tout. Hein. De toute façon. C'est. Voilà. Pas de souci, il y a aucun souci. Voilà. Merci encore une fois. Il est très très bien, Moodybot. Il est très très bien. Très sincèrement, il est très très bien. Encore une fois, il y a toujours, voilà, il y a toujours des, on peut toujours avoir des réserves, mais. Mais je veux dire, la base est excellente. Vraiment. C'est très très cool. Tiens, l'œuf d'écorcheur, je l'ai pas mis là, mais il faudrait que je le mette là, en fait. À part quelques petits soucis, voilà, genre le menuing qui peut être assez éreintant. Les dialogues qui manquent peut-être un peu de RP, de profondeur parfois, mais... voilà, bonsoir mon cher Bird, merci pour le host, merci beaucoup. C'est celle du jeu, Zizou, c'est celle du jeu. C'est la musique de Fallout, la musique du jeu, hein, tout simplement. Et à bientôt, Zizou, à bientôt, merci. Des bisous. Et donc, bonsoir mon cher Bird, j'espère que ça va bien. La Sarbacane de Francis. Ah, ça va être bien, ça va être bien, ça va être très très bien. Ça va être super bien. Qu'est-ce qu'on peut foutre là-dedans? Le chapeau de milice, le feutre, la grenade, grenade fragmentation. Hop. Ah, les mines, je m'en sers pas. Les mines, ça sert à rien, je m'en sers jamais. Faut être honnête. Comme un petit peu comme le pistolet lance-fusée, quoi. Je l'ai, mais voilà. Ah oui, les poches de sang, je pourrais en virer quand même. Ça rend pas mal de PV, mais bon. Ah oui, pour le radeway. Certes, ça enlève des radiations, mais j'ai pas besoin de transporter 31 sur moi. C'est un petit peu too much, Thierry. Qui soit cassé. Mais ça va bien, ça va. Ça va bien. C'est quoi, host? Tu n'as jamais osé cliquer dessus. Alors, en fait, ce qu'il se passe, c'est que ta chaîne personnelle sur Twitch, ton compte, et d'ailleurs, merci pour le host, va retransmettre la mienne. Voilà. Enfin, va faire une sorte de lien vers ma chaîne.
Le but étant bien souvent de, on va dire, entre streamers, de pouvoir s'envoyer les uns chez les autres, quoi, en gros, voilà. C'est pour partager un stream, voilà, c'est ça. Ok, Zizou, ben je verrai si je stream pas en même temps, puisque en général je stream aussi à ces horaires-là. J'essaierai de faire un saut quand même pour voir. Voilà. Je pense, je vais essayer en tout cas. Je promets rien, mais je vais essayer. Je peux promettre que je vais essayer, ça c'est. Voilà. Je peux promettre que je vais essayer. Et voilà, parfait. Allez, je vais aller juste vite faire. Ah oui, il faudrait que je trouve où il est le poste de chimie déjà. Je crois qu'il est planqué, je sais pas où. Il est derrière des baraques. C'est un truc, ça n'a pas de sens. Il y a un poste de chimie. Voilà, il est là le poste de chimie. Genre en plein milieu, nulle part. C'est ça, Zizou, c'est ça. Alors en fait, bah, c'est-à-dire si tu vas sur ta chaîne, ça va afficher la mienne en fait. Je peux promettre que je ne promets rien, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ah ça c'est dégueu. Seringue d'Artibloc. Ah, chance de paralyser la cible pendant 10 secondes. Seringue d'embrumase. Attendez, on va tous les faire. La cible pense que vous avez disparu et a moins de chances de vous repérer pendant 30 secondes. Poudre. Seringue, d'escampoudréine. Chance que la cible prenne la fuite pendant 30 secondes. Seringue d'hémorragie. 30 points de dégâts à la cible sur une durée de 10 secondes. Dangerolle. 25% de dégâts réduits. 25% de résistance aux dégâts. En moins, pendant 2 minutes, ah oui quand même. Folie furieuse, chance d'infliger un état de frénésie à la cible. Seringue de Pax, chance de rendre la cible non violente pendant 30 secondes. Seringue de venin de rat scorpion, 40 points de dégâts à la cible sur une durée de 10 secondes. Oui quand même. Crayon et Medix, d'accord. Des crayons et du Medix. Ok. Ça serait pas mal, ça, comme... Du coup, je sais pas si je vais la prendre avec moi. En fait. Grenade drogue, divers liquides de coupe. Ça sert à quoi ? Seringue de folie furieuse. Liquide de coupe, ça sert à quelque chose? A plus Zizou et salut Twisty, bienvenue, comment ça va? Ouais, c'était pas Glopy. Ah, c'est... Il faut la boîte à sandwich Voltex, ça sert à ça. Je vois. Donc à ça que peuvent servir les boîtes de Voltex. Amidon végétal. Ok. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Du rôti. Alors, on peut faire des bouchées d'écureuil croustillant avec des bouchées d'écureuil. Des brochettes d'iguane. Brochettes d'écureuil.
Ça rend un petit peu plus d'ailleurs que... Donc c'est plutôt cool, on va plutôt faire ça. Les côtelettes de Yao Guai. Ah oui! Les côtes de chien. Du faux filet. Ah, le faux filet avec de la viande de bramine. Ce qui est bien, c'est que ça... Et de la viande de molosse mutant, ça enlève les radiations tout en rendant des PV. Ça, c'est excellent, ça. Il m'en faudrait plein. La perception augmentée. Résistance de radiation grâce à la viande de à la mouche bouffie grillée. De l'omelette de décorcheur. Légère régénération de santé pendant 2 heures. Ah oui, quand même. Et les œufs de fangeux aussi. Soigne toutes les dépendances avec les œufs de rat de scorpion, pardon, de la pâtée de fangeux pour respirer sous l'eau. Ok. Normal quoi. Normal. Du rat de cafard grillé. Charge maximale. Ok. Rôti de Yao Guai. Dégâts au corps à corps augmenté. Ah bah ça c'est pour Grognac le barbare ça. Du steak d'écorcheur. Du steak de rat de scorpion, du steak de rat taupe. C'est ça, ça donne super faim quand on pense à ce à quoi ça ressemble. Reine des fangeux. Ah, je suis pas tout à fait sûr de vouloir me taper du steak de tigre. Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, après, il faut bien manger. Hein. On est d'accord. Ah, j'avoue que la mouche bouffie grillée qui augmente la résistance aux radiations, ça serait tentant. Hein. Ça serait tentant. Bref, on a de quoi se faire de la bouffe si jamais on a besoin, mais en même temps, j'ai tellement de steam pack sur moi que voilà. Hein. Ça ne sert à rien. Donc, je vais aller valider ma quête, puisque j'en ai terminé une. Salut Twisty et merci Wavestream. Pour le host, merci beaucoup. Tu veux voir mon sanctuary? Je peux te le montrer, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. J'ai testé de faire une baraque hier, et ça ressemble un petit peu à la tête de Darty, en fait. À l'intérieur du crâne de Darty, c'est-à-dire que c'est monté n'importe comment. Il y a un petit peu des trous au plafond. C'est... voilà. On est sur quelque chose d'assez problématique. Mais je dois avouer que j'ai pas tout bien saisi pour faire une baraque nickel avec la construction de fort de fief, de maison. Le placement des portes était un petit peu étrange. Je vais vous montrer juste après. Je vais juste aller valider vite fait. J'espère que vous nous rapportez l'artefact en un seul morceau. Bah, à ton avis. Tenez, le voici. Beau travail. J'espère que tout s'est passé. Ah, ce beau gosse. Voici un petit quelque chose pour vous dédommager. Je cherche toujours du matériel technologique. Mais en fait... Venez me voir quand vous voudrez retourner sur le terrain. Vas-y, donne-moi ta quête. Voilà ce que j'aime entendre. Voici l'endroit en question. Au boulot. En fait, elle donne quasiment des quêtes tout le temps, elle. Il y a juste... Quoi qu'il arrive, elle va vous filer des quêtes. Darty, c'est mon perso. Bon, Darty, c'est Darty papa, c'est-à-dire qu'il a un petit peu 1 en intelligence. C'est pas une flèche. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer, grosso modo. Oh mon dieu, le gantelet d'écorcheur permet de lacérer les ennemis en leur infligeant des dégâts considérables. Ça a l'air sympathique, hein. Ça a l'air honnête comme arme. Jackie Mich. Mon dieu. Alors voilà la maison de Darty. Hein. Voilà, donc, bon. D'aspect extérieur, on se dit oui, c'est pas trop mal. Donc on a la porte, mais alors regardez bien. Donc là, on a la porte, certes, mais on peut aussi passer par là. Voilà. C'est un petit peu la porte qui sert à rien. Alors j'ai stocké mes armures, et puis là, on a un magnifique petit trou. Hein. Voilà, dans la toiture. Là, les jointures sont assez étranges.
On peut un peu voir à travers. Voilà. Et il y a un lit tout pourri et ça. Et voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai un peu nettoyé autour pour faire un petit peu plus de place, mais sans plus non plus. J'ai pas encore vidé, pareil, par exemple, j'ai pas viré les voitures, j'ai pas nettoyé toutes les baraques. En fait, j'étends pas vraiment mon empire pour l'instant avec Darty. J'ai pas installé de relais pour attirer des gens, j'ai pas installé de nouveaux lits, etc., etc. Un connaisseur. Ah, je pense que la Roumanie c'est mieux que cette maison. Honnêtement, je pense que la Roumanie c'est mieux. Bon, allez. D'accord, donc ça sera. C'est où après? Ok, c'est au réservoir de Chestnut. E-Lock, donc proche de Diamond City, là où théoriquement je devrais aller, parce que oui, théoriquement c'est mon objectif. Cabot House. Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Attendez, Cabot House. Parlez à Jack Cabot. Allée du Pendu. Nettoyer cette zone. Allée du Pendu. Ah oui, ça c'est pour les miliciens. Ok, donc en fait j'ai masse de trucs à faire ici. Alors la question c'est étant, est-ce que je continue ma quête ou est-ce que je continue à faire de la merde et je continue à aller explorer à droite à gauche. Par exemple là il faudrait que j'aille à l'asile d'aliénés de Parsons parce qu'il y a un truc que je peux faire. Inspecter ce lieu, voilà. On pourrait aller parler à Jack Cabot, voilà. On va se téléporter Bunker Hill. Eh ben on va se téléporter à Bunker Hill, voilà, c'est une très bonne idée. Puisque c'est un lieu où on peut. Où il y a quelques marchands. Donc on va voir ce qu'ils ont à vendre. Ça peut être intéressant.